Bismillah, salam alaikum, bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va bien? Alors, excusez-moi, j'ai pas de voix. On sort du mariage, donc j'ai plus de voix. Donc, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je fais la pièce montée de bonbons. Bien sûr, il y a plein de messages pour les enfants, pour ne pas en abuser, donc voilà. Alors, les plateaux que j'ai fait en polystyrène, j'ai déjà la vidéo, j'ai mis la vidéo déjà en ligne. Donc pour ceux qui veulent s'amuser à faire leur propre plateau, et puis vous pouvez les garder, hein. Je veux dire, ça se conserve, hein. Conserve, je veux dire, quand je dis conserve, ça se garde, quoi. Donc, et puis, bon, là, j'ai mis, comme vous avez vu, j'ai mis du scotch tout autour pour que ça soit bien net, en fait, qu'on peut nettoyer, parce que voilà, j'ai mis d'abord du cellophane, et puis après j'ai mis du scotch tout autour pour bien les contours pour que ça donne une belle forme, en fait, et puis pour cacher un petit peu la misère. Donc l'idée, en fait, c'est de vous acheter tous les bonbons que vous voulez, et après, avec les bonbons que vous avez achetés, vous faites une première. Bon, moi là, c'est ma première déco, c'est ma première pièce montée de bonbons. Là, maintenant que j'ai vu, que j'ai fait, là, franchement, j'ai plein d'idées pour la prochaine fois, quoi. Donc, et c'est pour ça que je vous ai dit, faites votre propre déco et l'imagination des enfants aussi peuvent aider. Donc, vous la faites ensemble. Puis, je veux dire, pas de recette, hein, dans la vie, hein. La seule recette que vous ayez, c'est la vôtre, hein. Donc, parce que moi, je dis que la définition d'une recette, c'est une recette que on prend des idées dans une idée, et avec ces idées-là, ben, vous faites votre propre idée et votre propre imagination, votre propre recette. Donc c'est pour ça que voilà, toutes les recettes, il y a plein de recettes dans le monde, chacun fait à sa sauce, et c'est ça qui fait une recette. C'est pas copier ou faire ce que l'autre il a fait ou machin. Il faut mettre sa propre touche, mettre voilà, je veux dire, ses idées et pas copier. Je sais pas si vous avez remarqué, quand vous essayez de copier quelqu'un, ça marche jamais, quoi. Moi, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Et quand je prends une idée, j'ai une idée de base, et puis après, ben, je pars de cette idée, et puis je mets mes propres idées, quoi. Vous me suivez? Non? Je parle comme Jean-Claude Van Damme? Non, c'était juste pour rire, quoi. Bon, ouais. Donc, non, mais vous m'avez compris. Donc, après, bon, voilà, moi, j'ai utilisé des cure-dents pour pouvoir fixer surtout les sucettes qui tombaient tout le temps en avant. Donc, j'ai pris un cure-dent que j'ai cassé en deux, et puis vous essayez de coincer bien pour que ça tienne, quoi. Et puis, c'est tout ce que j'ai utilisé, les bonbons et les cure-dents, quoi. Donc, après, il y a une petite déco autour. Ça, après, vous achetez en Allemagne, c'est moins cher. Désolé pour les Français, hein. Voilà, donc je me suis quand même approchée du thème. Ça va, je suis satisfaite pour un premier gâteau, pour une première pièce montée. Franchement, ça va. Donc maintenant, je vais l'emballer. Bien sûr, centrez bien, hein, le plateau de les plate le plateau bien au milieu pour que quand vous allez refermer en fait le papier film sur le gâteau, que vous galérez pas, en fait, que ça soit pas trop d'un côté et moins de l'autre. Donc moi, j'ai été un petit peu plus d'un côté que de l'autre, donc du coup après j'ai dû tricher, en fait, avec le scotch. Donc voilà, donc après, ben, vous pouvez embellir encore avec les petits, comment on appelle ça encore, les trucs qui brillent, là, les machins, là. Donc après, c'est bon, c'est fini. Donc écoutez, ben, par ma part, j'ai été ravi
de faire cette pièce montée pour mon petit frère. Félicitations aux mariés. Et je vous dis à très bientôt. Salam alaikum. Merci pour vos vues.